Et bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de notre septième mission Icarus en coop avec Claude, Scrios et Capo. Et aujourd'hui, on ouvre le désert dans Dry Run Expedition. Allez, c'est parti. Voilà, parfait. Je suis à l'entrée de la grotte. Je suis avec toi, je suis derrière toi. Lodos ? Deux secondes, j'arrive, je vais poser mon tank et poser l'oxyde que j'ai ramassé. Le temps qu'on fasse ça, ça va se remplir. Hop. Tac. Tac. Je vois pas. Ah, il y en avait un. Il y en avait un juste devant moi, oui. Il n'y en a plus. Si, il y en avait encore un. Bon, moi j'ai pris un peu de poison, mais ça va. Ok, quelqu'un peut. Ah, ça va pas. Il est mort. Est-ce que. Quelqu'un peut ramasser la drill qui est tombée dans l'eau? Pendant que quelqu'un d'autre éclaire. J'ai fait, j'ai la drill dans le dos. C'est bon. Tu peux la mettre sur la paroi d'après. Ok. À droite. On n'y voit plus rien. Ouais, je suis à moitié dans l'eau, désolé. J'essaie de remonter. Alors attends, je vais éteindre la lumière pour poser la drill. Attention, juste devant. Derrière toi. Il y en a un autre. Oh. Okay. Ça va, à droite. Encore une fois. J'ai pris un petit coup de poison. Moi, ça va, j'ai réussi à y échapper. Encore, combat. Je sais pas où il est, ah, il est en face. Ah, je suis pas un deuxième poison aussi. Et là, si tu veux. Ah. Il y en a un autre quelque part. Là. Je vois pas. Ah, il y avait le dernier. Merci. Bon bah messieurs, bienvenue dans le désert. Ils ont roulé, je sais pas où, ils sont là. Pas trop vécu. On sort. Non, vous suivez le trou. Bienvenue dans le désert, messieurs. Pas besoin de récupérer la drill. Non, non, venez faire un tour, il y a des bestioles à... Rios, t'es où? Je reviens, j'étais parti chercher de l'oxyde. Ah, il fait jour, là. Il y a des singes. Des singes? Ah non, c'est les hyènes. C'est les hyènes que j'entends là. Ouh, éléphant, hyènes... Un éléphant direct de départ. Et ouais, comme ça, j'ai... Ah zut, qui c'est qui a eu les points d'éléphant? C'est moi. Ah. Sanglier, décale-toi. Voilà. Zut. Un bandage. J'ai re-attrapé la pneumonie alors que la première n'était pas finie. Shit. Bon bah j'aurais pas tué l'éléphant, mais je vais avoir les points pour le dépecer. Jour 1000 points.
Non. Si on avance direct dans le désert, on fait quoi du coup? Ah bah là, on a fini la mission. Hein. Ah, c'était tout? Oui, c'est pour ça que je vous avais dit, ça irait vite. On pourra rentrer puis se faire le désert scan. D'accord. C'est pour ça que tu disais, je fais l'herboristerie, je t'ai dit, on est déjà à la moitié de la mission. Aussi, ah ouais, j'avais pas capté, je crois qu'il y avait encore un truc à faire dans le désert. Ah non, c'est juste ouvrir le désert, cette mission. J'ai entendu une hyène ricaner. Ah, je vois un cougar. Une hyène. Ah, raté. Un cougar. Krios, tu veux profiter un peu de la fête ou... Quand même. C'est toi le chasseur, après tout. Et du coup, on n'a même pas eu droit à l'éléphant dans le... On a été tellement rapide que... On n'a pas eu droit au spawn d'éléphant dans la forêt. Que j'avais eu en solo. Cochon. Bon bah... On se fait une partie de chasse et on rentre ou on rentre direct? Ah bah on peut rentrer direct hein, si vous voulez. De toute façon bah, derrière on fait la mission scan et on se refera une partie de chasse. On démarre la mission scan. Je sais pas si on pourra la finir, mais... Il y a un éléphant à l'est, si ça intéresse... Ah bah, il y a quelqu'un qui est dessus. Quelqu'un qui l'a eu. Ils sont faibles, les éléphants. Ouais, si tu vises juste en dessous, juste sur la bosse de la trompe. Deux flèches. Faut que tu dessines un triangle équilatéral sur ton écran. Entre les yeux et le... C'est ce que j'avais expliqué à Capo. Il s'était foutu de moi. Alors, au début, tu me disais de faire un triangle équilatéral, mais tu me donnais que deux points, alors j'avais du mal à comprendre. Bah, s'il est équilatéral et que t'as deux points et une direction, ça suffit. Bah, tu m'avais dit, tu fais un triangle équilatéral avec ses deux yeux. C'est vrai. Oui, bon, d'accord. J'ai pas compris du coup. On s'en retourne alors? Ok. Qu'est-ce que c'est que ces traits de séparation de zone que j'ai? Ah, je les ai plus moi par contre. J'en ai un là, ici. Là. C'est du bug de texture. Hein. Ouais. Ah, on voit que c'est par couche qu'ils ont fait par morceau quoi. On voit les morceaux. Je l'avais eu plusieurs fois dans le bêta week-end Et puis, pas récemment. Ça me chagrine parce que je suis en train d'essayer de faire du modding en ce moment sur Farming Simulator. Je suis en train d'essayer de faire une map. Et tous ces petits détails là, ça chagrine quand tu fais une map. Vous êtes où du coup? J'arrive vers l'entrée de la grotte. Ah, c'est Krios et Capo qui sont un peu plus loin. Moi je vais aller manger un morceau parce que j'ai faim. Ah, alors attends, par contre, on peut aller voir s'il n'y a pas une grotte dans le désert, Lodos. Je crois qu'il y en avait une. Okay. De mémoire, je ne sais plus où elle était. Oh mince, ça c'est pas un animal, c'est quelqu'un qui court vers moi. Ok. Vers le. J'ai failli tuer. Vers l'est? Ah, c'est Krios. J'ai failli tirer dessus. Hier, tu m'as pris pour un zombie. Là, tu veux que je tire dessus. Mais toi, la vilain. Raté. Je vais pas jouer avec vous parce que je serais capable de vous tuer. Il y a une grotte normalement ici. Si vous voulez qu'on aille faire un tour, voir s'il y a de l'exotique.
Ah oui, sur ton point bleu. Mon point bleu qui est rouge pour moi, oui. Oui, qui est rouge pour moi aussi. Moi, je vois le point bleu. Par contre, j'ai pas beaucoup de flèches. T'as des flèches sur toi, là. Et moi, c'est pareil. J'ai plus de flèches en os. Ah, moi, j'en ai 77. Moi, j'en ai 14, pour ça. Je dis, ça risque de partir vite. J'ai 9 flèches en pierre. Je peux pas aller loin avec. Ah, à tes pieds. Merci beaucoup. Qui c'est qui a une flèche dans l'épaule? C'est Lodos. Ça doit être moi. C'est Lodos, c'est pour le reconnaître. Capot qui m'a tiré dessus. Volontairement. De loin et en mouvement. Je testais. Mais... Ah, j'ai arrêté. J'ai testé mon ski là. Yeah! Level up! Eh bien. Bon, elle est où ta grotte? Je suis devant. J'ai le Yelf from Iron Mining. On n'a pas le Linkrist Yelf from Exotic? Non, ça n'existe pas. Je fais gaffe à ça. Je ne vois pas sur la map. Ah si, il est plus loin. Je reprends un peu de... Il y avait un verre. Bon bah pas d'exotique ici hein. Ah là, d'où ça part ça. Ah ça vaut bien le coup d'aller vérifier quand même hein. On va pas faire d'autres grottes. Il y a pas d'autres éléphants là. Il suis où l'éléphant. On croque dans la guerre. Non, ça c'est les crocodiles normalement. Ouais, c'est les crocodiles. Ouais, mais il y a les éléphants aussi dans le champ. Oui. Allez, popoco, le popoco, le popoline. Y'a pas de copyright là-dessus, on peut y aller. Je pense. Oh, les comptines pour enfants. Ah bah, les comptines pour enfants, ça dépend lesquelles. Si tu chantes du Rides, par exemple. Ouais, Rides, c'est ce qu'il a chanté. Y en a plein qui l'ont chanté et qui n'est pas copyright. Ah oui, il y en a certaines. Mais c'est pas la personne de Rides qu'on chante, et puis c'est tout. Oui. Et. Je suis sûr qu'il y a des créations originales que tu peux pas... Aïe. Bon, attention. Ça, c'est un cougar. Enfin, un lion. Puma. Oh, ça ressemble à une lionne, hein, quand même. Merci pour le coup de main. Ouais, mais j'ai pas mis de problème. Sur les yeux. Sur les animaux, pas que sur les humains. Mais là, tu m'aurais mis une flèche, tu m'aurais tué. Je vise bien, parce que tu étais derrière. Ben, c'est pour ça que je recule, je vous voyais tous les deux devant, donc... Moi, je suis au niveau du de l'entrée de la grotte, côté désert. J'arrive aussi. Ah, il y a un éléphant. Ça. Ah oui. Juste devant la grotte. Bah, je suis devant la grotte, je vois pas d'éléphant. Sur la gauche. Je sais pas c'est qui vise. J'essaye de faire mon triangle équilatéral. Attends, j'ai pas pris mon marque. Pareil. Le triangle équilatéral sur Popota. Il est mort. Youhou. T'as vu les points dans l'éléphant? 3300. T'as un couteau pour le dépecer? Ouais. Regarde les points quand tu le dépeces. 1000 de plus. Bon, bah, c'est bien ça. En ça solo avec les... Tout à l'heure, elle a donné un peu moins. Avec les 10% de bonus, ça fait encore plus. Enfin, ça fait 10% de plus. Allez, moi je vais manger parce que j'ai très faim. Ouais, l'éléphant est fragile. Ouais, moi, si on le vise bien.
J'ai besoin de manger et de me recharger en oxygène. J'ai réussi à viser une fois le triangle équilatéral, c'est vrai que ça a fait du dégât. Mais il faut que j'arrive, parce que je m'en suis fait en milieu de l'écran, il faut que j'arrive à mettre l'éléphant dedans. Pour... Qu'est-ce qu'il y a de la lumière pour la grotte? Ah bah attends, je t'attends au premier passage. Ah bah j'y suis. Non non, mais au premier passage, au premier trou qu'on a creusé. J'ai avancé un peu. T'as avancé un peu? Ouais, je reviens en arrière. Hop, celui-là. Je vais manger parce que vraiment là je crève la dalle. Bah il fallait dire, j'avais des steaks sur moi. Bon, mais c'est bon. Ah! C'est pas bon. Ah, ils sont où les steaks? D'ailleurs. À l'intérieur. Ah oui, d'accord, ok. Bon bah voilà, on a 28 de fer qui servent à rien. Merci le gosse. De rien. Récupère un tank, mais je sais pas si c'était le mien. C'est pas grave. Ah mais j'ai récupéré un, mais ça va être le tien ce qui reste. Ouais, moi il me reste un tout petit peu dedans, c'est largement assez pour rentrer, je pense. Tout le monde est là? Ouais. Moi j'arrive. On ramène le panneau solaire à la maison? On peut pas le rembarquer alors, malheureusement. Je me remplis un peu mon tank. Ah bah y a plus d'oxyde. Je me remplis pas le tank. Tu veux respirer un petit coup dans le mur? Non, non, c'est bon, il est à un huitième. J'ai largement de quoi rentrer à la maison. T'es là, Chris? Ah bah oui. Chris, il y avait déjà ça. Ah bah, j'en avais sur moi encore de l'oxyde, donc... Non, mais c'est bon. Si jamais j'ai vraiment envie de respirer sur la route, je m'en attraperai, hein. Alors attention, il y a une bestiole. Une seconde, je vais mettre mon marqueur sur mon pod. Attention, il y a la place sauvage. Ouais, mais il y avait un loup aussi. Ah, il est bien mon talent. C'est par où la sortie? Je suis. Oui. Faut longer. Faut aller vers le sud en longeant l'ouest. Vous avez mangé un morceau avant de partir? Oui. Ouais. J'ai de la viande sur moi, si quelqu'un. C'est pas un ours, ça, dans le coin? Je n'en ai pas vu. Parce que si, devant, attends. Non, devant, c'est un bison. Ah, c'était ça, alors. Ouais, qui se distingue d'un petit peu, ou au lieu des cris qui disent « Je suis un ours, je suis un loup. » Moi, je vois le nom de l'animal quand je me rapproche un peu plus, mais c'est vrai que de loin, je ne vois vraiment que la barre de vie. Je sais qu'il y a un truc, mais je sais pas forcément ce que c'est, s'il est super loin. Et t'as pas une couleur pour... Non, non, c'est une barre de vie jaune. Pour le rouge ou pas? Enfin, pour les agressifs. Non. C'est même couleur pour tous. Je
Vous entendez le, vous avez entendu quand vous pouvez, vous prenez votre élan et vous sautez, le petit son que, qu'on a du vent qui frôle nos oreilles quand on saute. Ah, j'ai pas fait attention. Il y a un petit bruit qui nous montre la vitesse, ouais, c'est ça. Non, j'avais pas fait gaffe à ça. Ma capsule, elle est là. Et moi, je suis. Il est jaune de lumière, c'est ça, celui jaune là. C'est ça, oui. Ouais. Courir et sauter juste pour ce petit bruit dans les oreilles. L'impression de voler. J'ai eu un lapin sauvage. On est sauvé là. Ah oui. Je pense que c'était primordial d'avoir ce lapin sauvage. Et je pense que j'arrive sur zone parce que je vois les marqueurs qui s'éloignent progressivement. Les marqueurs s'éloignent, c'est-à-dire que tu te rapproches. Oui. D'accord. Je vois vos marqueurs qui s'éloignent du mien. Il faut compléter les phrases par ce que tu as dans la tête pour comprendre, en fait. Oui, exactement. Tu ne nous dis pas tout. C'est pour vous laisser la liberté de d'interpréter. Tu vois, tu y es arrivé. Voilà. Bon ben moi je suis à mon drop pod, hein, donc si vous voulez vous envoler, on se retrouve en orbite. J'attends que vous partiez, par contre. Je sais où vous êtes. Lodos, il est arrivé, quasiment. Ouais, j'arrive quasiment au mien. C'est à gauche, Lodos. J'ai un loup sur la route, ouais, je pense. Voilà. T'as un loup sur la route, Capot ? Ouais, je l'ai entendu râler, pas hurler. Je suis pas très loin de toi, si nécessaire, donc... Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que je veux le trouver pour le tuer, je vais pas le laisser comme ça, le pauvre. Non, bah, je Bye bye, Lodos. Bye bye. Oh, ben je me casse aussi, si c'est ça. Peut-être comme dans l'artillerie. Et un Krios qui part, et un Capot qui décolle. Bon, mais impeccable. Alors, elle était donnée quoi, deux ou trois... Deux ou trois têtes de mort là. Trois, je crois. Elle est simple, celle-là. Elle est super simple. Quand je l'ai fait en solo, j'ai halluciné. Ah ouais, easy, Sabdam. La seule difficulté, c'est le nombre de vers dans la grotte quand tu mets un truc et c'est tout. Quoi. C'est et encore, en fait, quand t'as une grande grotte comme ça, les vers, c'est assez facile. Dès que tu le vois tirer, tu avances. Et du coup, ça va toucher derrière. Faut surtout pas se décaler sur le côté, parce que sinon, ça éclabousse là où t'étais et toucher aussi. Mais en avançant, D'accord.
C'était pas mon tank que j'avais. C'est pas grave. Item recovered. Oh, vous avez pris vos pioches? Non. Que je vous avais posées? Ah non. J'ai pas pris de pioches, moi. Non plus. Ok, donc je viens de perdre deux pioches basiques. Ah merde. Eh ben... Ah merde, merde. Eh ben tant pis, vous aurez plus de pioches, messieurs. Je les avais posées dans la crafting bench. Je viens de réaliser, tant pis. J'avais pas forcément spécialement besoin de pioches, donc j'ai pas pensé. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est... C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai bien mal. J'ai... Ouais, pour le reste, j'ai tout, mais du coup, j'ai perdu... J'ai perdu... Combien ça valait? Oh mon Dieu, 25 chacune. Je me sens pauvre. Et j'ai 200... Est-ce que je peux... Non. Je peux même pas me faire un bon couteau. 50 points, c'est 50 points. Ah, 50 crédits, ça va, c'est pas non plus... Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour une prochaine mission. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!